troisième chronique littéraire. Pour cette chronique, nous avons décidé de choisir une auteure vedette. Donc, on va vous parler d'une auteure qu'on adore, un incontournable dans nos salles de classe. C'est une auteure et une illustratrice québécoise. Alors, bienvenue dans l'univers de Marianne Dubuc. La première collection de livres que nous avons à vous présenter, ce sont trois petits livres cartonnés. Donc, il y a « Devant ma maison », « Au carnaval des animaux » et « L'arche des animaux ». Donc, quand je les ai présentés à mes élèves la semaine dernière, leur premier réflexe a été de dire « Ah, madame, des livres en carton, c'est pour les bébés ». Mais ils ont rapidement changé d'idée quand ils ont découvert, premièrement, les magnifiques illustrations. Donc, de Marianne Dubuc. Ensuite, ils les ont trouvé très drôles, donc l'humour dans les livres et la structure répétitive qui permet aux élèves de pratiquer leur fluidité, de pratiquer leur expression. Et une dernière chose qu'ils ont beaucoup appréciée, c'est le lien, découvrir le lien entre chaque page. Donc, derrière le gâteau, dans celui-là, c'est comme les animaux qui se déguisent, c'est très rigolo. Celui-là, c'est... Donc, devant ma maison, il y a une princesse qui se cache. Et ensuite, derrière la princesse, il y a une grenouille, un prince. Donc, pourquoi trouver le lien entre ces choses-là? Pourquoi il y a un nénuphar? Et c'est un super bon livre pour pratiquer ou apprendre les mots reliés à l'espace, à l'espace, l'orientation des objets, comme sur, dans, devant, avec, sur... Ça peut aider les élèves qui sont en apprentissage de la langue pour apprendre ces mots reliés aux mathématiques, mais en contexte... En contexte réel. Puis, mes élèves ont eu l'idée par après, « Ah, madame, on pourrait faire devant ma classe ou devant mon école, donc créer un livre de classe avec nos élèves à la manière de Marianne Dubuc. » Donc, trois petits albums tout simples, mais magnifiques. Lire un album de Marianne Dubuc, c'est comme si on lit deux histoires en une. Donc, il y a les histoires racontées par les mots et l'histoire racontée par les illustrations. Alors, les albums que nous avons à vous partager là, ce sont vraiment des albums parfaits pour justement observer, regarder pendant longtemps les magnifiques illustrations de Marianne Dubuc. Donc, mes élèves, nos élèves peuvent passer des heures avec chacun des albums à voir l'évolution de l'histoire à travers les mots, mais surtout à travers les personnages, les illustrations. Donc, chaque page... Juste pour vous montrer à quel point qu'elle ajoute des détails dans ses illustrations, c'est comme Émilie dit... Si, à chaque page, c'est toujours le même appartement, mais chacun des appartements, il y a une histoire différente. Donc nous, l'histoire principale, c'est l'histoire de Petit Lapin, mais autour de lui, il y a toute cette vie-là. Donc dans une journée, tout ce qui se passe. On découvre les histoires de chaque famille qui occupe cet appartement, ce bloc appartement, mais puis c'est tout grâce à ses illustrations. C'est grâce à ces petits détails qu'elle ajoute et les élèves adorent. À passer du temps à observer et à faire des liens entre chaque page puis chaque personnage au fil des pages. Puis là, ensuite, les élèves pourraient même par eux-mêmes décider de raconter l'histoire d'une autre famille parce que les mots de Marianne parlent d'une famille. Mais dans ce livre-là, on pourrait dire, OK, maintenant, on va écrire l'histoire d'une autre famille avec... Donc, chaque groupe d'élèves pourrait écrire une famille différente. Ici, c'est la même chose. C'est chaque école. Il y a l'école des souris, l'école des grenouilles, l'école des ours. Des renards. Parce l'école de renards. C'est Pomme. La petite fille Pomme qui va commencer la maternelle bientôt. Puis là, elle veut découvrir c'est quoi l'école. Donc, elle visite toutes sortes d'écoles. Plein de différentes écoles maternelles. Et chaque école est parfaite pour le type d'animal qu'elle visite ou qu'elle occupe. Il y a tellement de détails. Marianne Dubuc est tellement minutieuse. Elle a vraiment pensé à tout. Donc, tout est là. Il y a des choses drôles, des choses mignonnes. Et Marianne, ceux qui font... Les ateliers d'écriture, c'est vrai. On met au défi de trouver un tableau d'ancrage, d'atelier d'écriture, des petits moments dans une des classes. On ne va pas vous montrer, mais il faut vraiment chercher pour parce qu'elle connaît bien les ateliers d'écriture de Lucie Cranteuse. Et ça ici, c'est on suit un facteur qui fait sa tournée, qui livre des paquets.
Donc, on a la tournée de Facteur Souris, les... Vacances de Facteur Souris, et il y a un troisième qui s'appelle les voyages extraordinaires. Les voyages extraordinaires. Donc, celui-là, on ne l'a pas, mais on adore ces deux-là. Donc, et là, Monsieur Facteur Souris part avec son chariot plein de paquets, et chaque famille, chaque maison, encore une fois qu'il visite, il laisse un paquet, mais dans son chariot, les paquets disparaissent vraiment, puis il remet vraiment un paquet, puis les élèves adorent découvrir les maisons de chacun des animaux. Donc, les prochains livres qu'on a à vous présenter sont un peu différents des premiers. Dans les premiers, on était plus dans les détails, dans l'humour, dans l'observation des illustrations. Ceux-ci, c'est plus dans l'émotion. Oui, c'est comme des livres qui nous font sentir bien, qui ont des messages forts à transmettre aux élèves. Oui. Dans Ours et le murmure du vent, c'est l'histoire de Ours qui a vécu un grand chamboulement. On ne sait pas quel est le grand chamboulement, mais ce qui se passe. Chacun s'identifie un petit peu à Ours selon ses expériences, oui. Ou à sa façon de ce qu'ils connaissent de la vie. Mais il passe Ours a besoin d'un changement. C'est ça. Puis il passe à travers ce changement tout seul. Mm-hmm. Et ça ouvre la discussion aux élèves. À la réflexion. Car à la fin, il faut qu'ils déménagent de maison. Puis il y a beaucoup de nos élèves qui peuvent. S'identifier oui. À Ours. Donc, dans Le lion et l'oiseau que j'ai lu en classe avec mes élèves, ou justement aujourd'hui, donc ils m'arrêtaient, « Oh madame, c'est vraiment une belle histoire, j'ai des frissons! » Donc, c'est l'histoire de Lion qui vit seul, et il rencontre un oiseau blessé, il l'aide, et c'est le début d'une belle amitié. C'est un livre sur l'amitié qu'on ne peut pas toujours garder, parce que des fois, les amis ont besoin de s'éloigner, s'envoler, partir avec leurs amis oiseaux. Mais c'est une belle amitié qui passe à travers toutes les saisons d'une vie, mais les saisons dans la nature en même temps. Donc, celui-là, c'est vraiment un coup de cœur, le lion et l'oiseau. Puis le dernier, c'est Le chemin de la montagne, qui est aussi une super belle histoire de, on dirait une grand-maman, mais ce n'est pas la grand-maman du petit chat ici. Mais c'est une dame avec grande sagesse, puis elle partage sa sagesse, puis ses connaissances avec chat. Et chat finit par apprendre, puis par trouver son chemin grâce aux savoirs qui ont été transmis par à cette vieille dame. Mais c'est une histoire douce, triste à la fois parce que... Ça fait penser à nos grands-mamans qui nous ont appris des choses. En fait, c'est l'histoire d'un blaireau qui grimpe la montagne tous les jours qui prenait sa grande marche, puis un jour, elle rencontre un petit chat, puis ils marchent ensemble, puis un jour, elle est plus capable de monter la montagne, et c'est le petit chat qui prend la relève et qui le fait maintenant à sa place. Donc, sans vouloir tout vous raconter... Et c'est vraiment... Puis vraiment, dans ces trois albums-là, les illustrations sont faites en toute douceur. C'est magnifique. Ça, oui. Les illustrations vont aussi bien avec l'histoire oui. Racontée. C'est presque un poème. Dans le fond, les élèves font... C'est des histoires qui ont peu de mots, mais que les images disent tout. Là, dans le fond, dans des fois, des grandes pages où le lion est triste, donc ça dit tout. C'est juste une petite illustration du lion. Donc, on vous laisse découvrir. J'espère que vous en avez probablement de ces livres-là déjà à l'école, mais on vous recommande vraiment de vous procurer les autres, de les faire... Il y en a plusieurs au CPRP, il y en a plusieurs à la Bibliothèque centrale à Halifax qu'on les a fait venir. Mais, Et il y en a trois qui vont sortir bientôt. Oui. Il y a Mon Arbre, Marie-Vière et Nina... Et Milo. Milo, je crois. Et celui-là, j'ai vraiment hâte de découvrir. Ça va être un album dont vous êtes le héros, donc... Il va avoir une histoire, et là, si vous voulez que le personnage agisse de telle façon, allez à la page 12. Si vous voulez qu'il agisse de telle façon, allez à la page 20. Donc, on a vraiment hâte. Je l'ai commandé, j'ai hâte qu'il arrive au mois de mars. Moi aussi. Donc, on vous en donnera des nouvelles, ou bien vous, envoyez-nous vos commentaires. Vos commentaires aussi. Il y a des albums que nous, on ne connaît pas. Parce qu'il y en a qu'on n'a pas... Il y en a tellement d'autres de Marianne Dubuc qu'on n'a pas tous pu vous présenter, mais on en parle dans notre... dans notre document qu'on vous envoie avec la vidéo. À la prochaine! On se voit le prochain mois!